Yo les potes, c'est Dragon FPS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, vidéo unboxing mini drone, je veux dire, voilà. J'ai reçu ça par un petit partenariat, voilà, je vais vous le présenter. Et on va le tester après ensemble. Alors déjà, on va vous l'ouvrir ensemble, on va l'ouvrir ensemble parce que j'ai pas encore ouvert. J'ai reçu un carton, mais je l'ai déjà enlevé parce que bon, le carton, on s'en foutait. En moyenne, on s'en fout. Alors, ça s'appelle un mini drone maison, voilà, qui s'appelle Metaco RC Squascopter Drone. Alors, on va l'ouvrir. Il est comme ça, il est vraiment ce qu'on nous sache. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas grave. On va l'ouvrir pour que vous puissiez tout simplement le voir et on va voir ce qu'il y a comme capacité, si vous préférez. Ah, franchement, déjà la boîte. Présentation sympa, voilà, franchement sympa. Déjà il y a une petite mousse protection, tout est nickel. Franchement, comparé à certains que j'avais déjà acheté il y a un moment, c'est un point positif. Le carton quand même, c'est du carton quoi. Franchement, c'est voilà, c'est de la petite mousse, c'est bien rangé, rien à dire. Hop, voilà, on va enlever le drone déjà, hein, le plus important de. Plus important de petit colis bien sûr. Hop, voilà, franchement regardez, franchement sympa, voilà, sympa. Metaco, toujours la petite marque noire et rouge avec quatre hélices, voilà, petite derrière, petite place pour la batterie, franchement nickel, petit drone sympathique. Après on va ouvrir le reste. Qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ça? Ah oui, la manette les potes. Alors, la manette, elle est franchement sympa. On dirait un peu une manette PS4, Xbox One un peu mélangée. Franchement sympa. Vraiment sympa. On dirait que c'est des crips derrière, vous savez, pour pas que vous avez les mains humides, un peu. Voilà. Vous transpirez ou quoi. Là, ça fait pas. Bon, ils ont fait ça. Après, je sais pas si. C'est bien pour un petit drone. Mais en tout cas, sympa. Alors, je pense qu'il faudra des piles. Je ne suis pas sûr. Mais franchement, noir et rouge. Comme le drone. Franchement, sympa. Avec deux boutons. À mon avis, ces deux boutons, c'est pour, vous voyez ce que je veux dire, pour stabiliser un peu le drone. Là, pour le démarrer. Bon, bref, bon, c'est à peu près comme une manette. Après, qu'est-ce que c'est de bien en plus? Il n'y a plus rien. Ça, il reste ce petit truc. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est quoi ça? Ah d'accord, ils ont vraiment tout prévu. Là, alors déjà, ils ont vraiment prévu un truc, c'est bien. Le tournevis pour les piles de la manette. Ça, franchement, ouais, c'est bien ça. Franchement, ils ont prévu ça et franchement, comparé à certaines marques, ils le font pas. Et ça, c'est vraiment dommage pour eux. Mais eux, ils ont pensé au tournevis. Après, ils ont la clé aussi. Une petite clé pour enlever les hélices. Vraiment sympa. Regardez. Hop. Oups, c'est perdu. Perdu. Mais viens là, toi. Voilà. Une petite clé avec. Bon, le tournevis. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu entièrement. La petite clé. Franchement sympa pour enlever les hélices. Si il y a un souci ou. Voilà, elle est cassée quoi. Plac. Et là, les quatre hélices de rouge et de noir en cas de casse, si vous l'abîmez ou quoi. Franchement, ils ont prévu, franchement, assez très bien. Parce que c'est surtout une tournevis. Je me suis pensé tout à l'heure avant de l'ouvrir. Je me suis dit, tiens, j'espère qu'ils ont un petit tournevis pour la manette. Parce que moi, j'en ai pas. C'est, vous savez, des petits tournevis à lunettes pour visseux. Voilà, tout simplement. Franchement, sympa. Alors, ah, il y a d'autres trucs. Alors, il y a quoi? Bon, la prise pour le chargeur de la batterie, franchement sympa. Bon, vous pouvez le charger partout, ordinateur, sur une prise, vous prenez un adaptateur, clac, vous chargez partout, quand vous voulez. Après, il y a quoi d'autre? Ah, il y a aussi. Ah, il y a ça aussi. Il y a aussi. Ah, d'accord, ils ont prévu deux batteries aussi, les potes. Original, franchement, c'est original. Original. Franchement, c'est. Ils sont mini. Regardez les deux petits, ces toutes petites batteries.
Attendez, on va essayer de le mettre pour voir. On va essayer. Alors, on met ce truc. Ici, vous le mettez directement ici. Hop. Et vous le branchez par derrière. Là, je m'en excuse, j'ai mis de côté. Faites gaffe parce que j'ai mis de côté, ça veut dire qu'il y a un côté qui est bon et l'autre qui est pas bon. Alors. Voilà. Oh, d'accord. Ça marche directement, les gars. Regardez. Hop. Je sais pas si vous voyez avec la lumière, mais il y a du bleu et du vert, les potes. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de boutons. Ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin. Ok. Il n'y a pas besoin de boutons, il n'y a pas de boutons quoi. Ça par contre, c'est un point qui est positif et un peu négatif. C'est-à-dire si, par exemple, tu n'as pas besoin de boutons, c'est bien. Hop, tu mets la batterie et tout ça c'est bien. Par contre, faut pas l'oublier la batterie à l'intérieur. Par exemple, vous allez dormir, vous jouez pendant 10 minutes. Allez, 5-6 minutes tranquille avant d'aller au dodo. Faut pas oublier la batterie. Ça, c'est un point un peu positif, comme ça au moins t'as pas besoin de clic, le poser, hop, tu mets la batterie, hop, tu t'envoles, terminé. Par contre, point négatif, ça c'est dommage, il devrait pour les prochaines fois faire, c'est tout simplement un bouton. Comme ça on laisse la batterie, elle marche encore, hop, petit bouton, hop, c'est terminé, on va dormir, on n'en parle plus. Ça c'est un petit point pour moi. Mais franchement, pour moi, je suis content de l'avoir eu, ce petit drone. Franchement, sympa. Et franchement, je suis content. Et voilà. Alors, il y a la deuxième batterie en cas, bien sûr, qu'il n'y a plus de batterie. Par contre, qu'est-ce qui manque? Les piles. Ça, les piles, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre des piles. Alors, je vais mettre des piles. Mais c'est vrai que les piles, c'est dommage. Je sais qu'il y a plusieurs trucs. Mais les seuls trucs qui manquent là, franchement, c'est une petite pile. Franchement, s'ils font des piles avec ce truc. Ah, hop. Toc, des piles. Voilà, deux piles. Voilà. Franchement, c'est vrai. Mais bon, allez, on va essayer de tester les gars ensemble. Hop, allumer. Voilà. On va faire hop. Hop, attendez. Hop, voilà. On attend que tout simplement qu'ils arrêtent de biper les deux. Hop, voilà. Vous voyez les potes? Regardez. Vous voyez? Hop. Vous voyez, il fonctionne nickel, franchement. Oh, doucement, purée. Excusez-moi, j'arrive pas trop bien encore à contrôler ces petits machins. Ça fait pas longtemps que j'avais un ancien drone. Je m'en excuse. Il part vite parti. T'es quelle puissance! C'est. Après, attendez. Attends, on va le mettre là. Voilà, comme ça. Il n'y a rien qui s'envole avec. Voilà, franchement, c'est une tuerie ce truc. Putain, la puissance de ce petit drone. Alors imaginez les gros drones, quoi. Allez, envole-toi. Oh, voilà. Oh. Ah, voilà, regardez, regarde. Hop là. Hop, 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 là, on le contrôle, on le contrôle, on se calme, on se calme. Hop, 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 hop. Voilà, les gars. Wow. Ah, pas mal, franchement, je kiffe. Je me régale, je suis un gosse. Ouh. Wow, doucement, doucement, doucement. Prends tes... Purée, quelle puissance, les potes. Ah ouais. Ah ouais, je vais me régaler, je vais m'amuser avec. Voilà, les potes, franchement, sympa. Voilà, je l'ai testé un peu quelques secondes parce que voilà, je voulais pas non plus que la vidéo se dure extraordinairement longtemps et puis c'est pas mon but. Voilà, alors ce petit unboxing se termine, les amis. Je pense que ce petit drone, je le ferai gagner à un concours. Voilà, parce que perso, moi j'en. Voilà, hein, je voulais le tester. Franchement, encore merci à mon sponsor. De me l'avoir envoyé. Franchement, gros merci à toi. Franchement, je me suis régalé là. Je le ferai gagner sur
une nouvelle vidéo, les potes, je vais le faire gagner. Voilà, un petit concours pour vous faire plaisir pour Noël, un box. Voilà, pour Noël, un petit drone pour vous, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Alors, si vous voulez en acheter, tout simplement, le lien sera dans la description, les gars. Voilà, le lien sera dans la description d'Amazon. Voilà, c'est Amazon même. C'est la marque qui me l'a envoyé. Et je vous donnerai le lien si ça vous intéresse pour Noël, pour vous offrir à vos potes. Voilà, c'est un petit drone vraiment puissant. Faites attention si vous connaissez pas, vous voyez là, vous avez vu, il s'est envolé comme une flèche. Franchement, sympa. Voilà, le lien pour avoir l'hélicoptère, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et je mettrai aussi un autre lien de mon petit partenariat. C'est grâce à lui que on a des nouvelles échanges avec ce partenariat. Je voulais lui remercier avec grand plaisir, voilà. En tout cas, moi, ce petit concours, ça sera tout simplement pour participer, il faudra vous abonner, activer la notification, lâcher un max de pouces bleus. Et c'est terminé, les potes. Voilà, il n'y avait que ça pour pa participer au concours du drone. En tout cas, moi, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas un max de pouces bleus, de vous abonner si c'est pas déjà fait, lâcher un max de pouces bleus. Et si toi que tu veux un drone, frérot, n'oubliez pas, le lien est dans la description. Je vous souhaite une agréable après-midi, une bonne soirée pour cette année. C'était les Dragons FPS. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao.